Howdy! Hey guys, today we're going to learn some Christian terms in French. Yay! In case you don't know me, Rochelle DeMayo, your native French instructor from Belterre Academy. Diving right into different terms that we could use that are based on the Christian religion and religion in general. So, this is dedicated to Chuck, who asked me to produce this video for Horizons Media Studios and for different YouTubers who've said, hey, Rochelle, how would you say different Christian terms in French? Well, let's dive in. The first one that you want to learn is Dieu. Dieu. Par exemple, Dieu a créé l'univers. Dieu a créé l'univers. Être chrétien ou être chrétienne, être chrétien, être chrétienne. Par exemple, je suis chrétienne. Je suis chrétienne. Être croyant, être croyant ou être croyante, être croyante. Par exemple, es-tu croyant? Es-tu croyant? Une église, une église. Vous allez à quelle église? Une dénomination. Une dénomination. Une dénomination. Vous faites partie de quelle dénomination? Vous faites partie de quelle dénomination? Petite pause pour une prononciation. You might have noticed that's the same word in English, denomination, but the pronunciation is different. If you want to learn more about French pronunciation, you're going to want to take this class to teach you how you'd pronounce things the French way. On continue. La foi. La foi. La croix. La croix. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus. Jésus. Péché. Le péché. Tous les humains commettent des péchés. Les disciples. Les disciples. Il y avait 12 disciples. Il y avait 12 disciples. Marie, la mère de Jésus. Marie, la mère de Jésus. Joseph, le père de Jésus. Joseph, le père de Jésus. Un ange. Un ange. Gabriel est un ange. Gabriel est un ange. Un démon. Un démon. Le diable. Le diable. Satan, c'est le diable. Le culte. Le culte. L'église propose des cultes à quelle heure? Une autre pause. So maybe you're thinking cult. Does that mean cult? No, it just means church service times. If you wanted to say cult, on dit une secte. Une secte. La louange. La louange. Aimes-tu la louange? La musique chrétienne. La musique chrétienne. Quel genre de musique chrétienne existe-t-il? L'évangélisation. L'évangélisation. L'évangélisation prend place les samedis soirs. Petite pause. If you've learned something out of this, give me a thumbs up, subscribe to the channel. On continue. Le pasteur. Le pasteur. Le pasteur s'appelle Jean. Un ancien ou une ancienne. Jean-Jacques est un des anciens. Être athée. Être athée. Croire. Croire. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, par exemple. La conversion. La conversion. Être converti. Être converti. Régis est converti, par exemple. Régis s'est converti. La Bible. La Bible. Je lis ma Bible tous les jours.
une version. Une version. Par exemple, quelle version de la Bible est-ce que tu lis? Un livre. Un livre. Il y a combien de livres dans la Bible? Un chapitre. Un verset. Jean, chapitre 16 et verset 24. C'est mon verset préféré d'ailleurs. La religion. La religion. Être religieux, être religieuse. Odile est très religieuse, par exemple. Les protestants. Les protestants. Les huguenots. Les huguenots. La persécution. La persécution. Par exemple, les huguenots, des protestants, ont été persécutés et se sont réfugiés dans les Cévennes. Une étude biblique, par exemple, l'église propose des études bibliques le jeudi. L'école du dimanche. L'école du dimanche. Vos enfants veulent peut-être aller à l'école du dimanche? Et voilà! Now, the next video you're going to want to check out if you didn't check it out yet are Christian resources in French. That's right. Check it out. À bientôt tout le monde.